Alors bonsoir à toutes et à tous. Voilà pour le troisième bobo et la dernière vidéo du jour. Alors ce troisième bobo, cette fois-ci, voici ce qu'il nous dit. Entre demain et mercredi soir, quand vous achetez le flacon de 15 ml de thym, eh bien doTERRA vous offre le flacon de 15 ml de marjolaine. Alors, ces deux huiles, ce sont également des huiles que nous utilisons très régulièrement dans ma famille. Pourquoi donc? Alors, le thym, il a vraiment des vertus également assez larges. Vous avez probablement en tête son odeur. Et cette odeur, c'est vrai que souvent, elle évoque en nous l'accompagnement de troubles ORL. Donc ça, c'est vraiment une de ses premières caractéristiques. C'est également une huile essentielle, comme on l'a évoqué tout à l'heure, pour la synergie qui s'appelle Island Mint, qui est vraiment très intéressante pour soutenir la concentration. Donc n'hésitez pas à la diffuser si à un moment voilà, vous avez besoin de vous concentrer sur une tâche et que vous avez besoin d'un soutien. Et puis c'est également une huile essentielle que l'on conseille souvent pour soutenir la mémoire. Donc, vous voyez, pour toutes ces activités cérébrales, elle est très intéressante. On la conseille souvent également en cas de stress, de surmenage, de fatigue, d'épuisement. Voilà, donc elle peut être aussi très intéressante dans ce cas-là pour soutenir l'être humain dans ses phases de vie un peu plus délicates. Alors moi, j'ai quelques clients, quelques partenaires également qui l'utilisent en cas de douleur. Moi, j'avoue que je ne l'ai pas testé dans ce genre de situation, mais voilà, a priori, les personnes qui l'ont fait ont de très bons résultats. Et puis pour nous, les femmes, elle peut être tout à fait utilisée en cas de règles douloureuses. Donc dans ce cas-là, bah, comme toujours, hein, on va l'appliquer plutôt en local, donc en diluer un peu. Dans ce cas-là, moi, c'est pareil. En général, je prends juste le petit surplus qui se trouve sur le compte-gouttes que je mélange avec un peu d'huile végétale et puis je viens tout simplement me l'appliquer sur le bas-ventre. Donc, je ne vous l'ai pas dit, mais vous l'aurez compris, c'est également une huile essentielle que l'on peut utiliser des trois manières, en diffusion, en application cutanée diluée et puis en interne. D'ailleurs, vraiment, je vous invite à l'utiliser également, alors toujours avec parcimonie, en cuisine. Son odeur, mais son goût sont juste un délice. Donc vraiment, n'hésitez pas à l'utiliser dans vos plats préférés aussi. Vous verrez qu'elle y amènera quelque chose de tout à fait unique. Voilà. Et donc, quand vous achetez à partir de demain et jusqu'à mercredi soir le flacon de 15 ml de thym, doTERRA ajoutera automatiquement à votre panier le flacon de 15 ml de marjolaine. Alors la marjolaine, c'est une huile que j'aime beaucoup parce que je l'ai beaucoup utilisée, notamment quand mes filles étaient plus jeunes. C'est vrai qu'on avait pris l'habitude à certains moments de la diffuser pour apaiser le système nerveux et puis pour accompagner l'endormissement. Donc voilà, moi c'est vraiment ma Madeleine de Proust à moi par rapport à cette situation-là, la marjolaine, parce que voilà, c'est une huile qui m'avait été conseillée à ce moment-là et dont j'ai vraiment vu un bénéfice très important. Donc je vous la recommande pour cette aide à l'endormissement, elle est vraiment très précieuse. Moi j'aime aussi beaucoup l'utiliser en diffusion, notamment quand je me sens un peu stressée, quand je me sens fatiguée. Je trouve qu'elle est très très relaxante, elle est très apaisante, elle est très enveloppante, j'allais dire, la marjolaine pour moi. Et puis, c'est également une huile essentielle que l'on recommande souvent en cas de douleur également. Alors, ça peut être des douleurs, par exemple, liées à de l'arthrose, mais liées également à des petits accidents, voilà, en cas de tendinite, en cas d'entorse. C'est vrai qu'en général, seul ou en synergie avec, par exemple, la camomille romaine, l'encens, on va souvent la retrouver dans ces mélanges à faire soi-même pour apaiser les douleurs voilà, liées soit à une pathologie particulière, soit à un accident, tout simplement.
Idem, si vous avez besoin de plus d'infos, surtout n'hésitez pas à me contacter, à commenter cette vidéo si vous êtes sur Facebook. J'y répondrai avec joie ainsi que mes collègues. Et puis, vous pouvez bien sûr contacter votre conseiller bien-être à vous. Et donc, je vous rappelle pour ce dernier bogo, si vous achetez le flacon de 15 ml de thym, doTERRA vous offrira le flacon de 15 ml de marjolaine entre demain et mercredi soir minuit. Et puis, j'en profite, comme il s'agit de la troisième et dernière vidéo, pour vous dire évidemment que ces bogos sont cumulables. C'est-à-dire que vous pouvez en acheter un, deux, trois, et que vous pouvez même en acheter plusieurs de chaque. Je crois que c'est limité à 4 par compte, à revérifier sur les règles des bogos qui se trouvent quelque part sur le support sur lequel vous allez trouver cette vidéo. Voilà, ça peut permettre aussi d'en offrir à des amis, par exemple, si vous voulez leur faire découvrir certaines huiles essentielles qui pourraient répondre à certaines situations qu'ils vivent. Donc voilà, et puis si vous avez des questions sur toute la partie très pratique du fonctionnement de ces offres Bogo, encore une fois, n'hésitez pas à commenter cette vidéo ou bien à me contacter, à nous contacter. Nous sommes là, moi et mes partenaires, pour vous répondre. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite vraiment une très belle soirée de dimanche et puis je me réjouis de vivre ces 3 jours de Bogo avec vous, de répondre à vos questions et puis une fois que vous aurez reçu vos huiles, bien sûr, d'accueillir vos expériences et vos ressentis olfactifs à vous. Voilà, je vous souhaite encore une fois une très belle soirée et puis je vous dis à très vite. Au revoir.